résumé vous est proposé par Expedia. Et Gazprom. Sponsor de l'UEFA Champions League. Voilà le premier ballon pour Neymar et voilà l'ouverture ou presque. Je le disais Alex, il faut qu'une fois, oui. Mais franchement, c'était génial. C'était magnifique, hein. Effectivement, ils se sont trouvés comme à l'habitude, de manière très très complice. La passe aussi vers Mbappé qui fait toute la différence. Là on voit Leimer en fait qui veut jouer le 2 contre 1, mais qui arrive un petit peu trop tard et derrière le décalage est fait. Superbe appel aussi, hein. Vraiment un superbe appel de Neymar. Donc ça, s'il est laissé à 2 contre 1, voilà, ça passe, nouveau une faute. Ouais. Leimer, là, un petit peu trop impétueux parce que franchement, Neymar lui montrait vraiment là où il allait aller. On peut comprendre pourquoi il plaît aux femmes. Non, beaux yeux, faut reconnaître. Di Maria, oh les belles. Ouh les belles. Ouh les belles. Et bien voilà, Marquinhos pour ouvrir le score. Imparable, mais quelle qualité de frappe au niveau de la tête. Marquinhos avait déjà pris le dessus hein, quelques instants auparavant, et voilà déjà le PSG devant. Oui. Bah écoutez, finalement voilà, petite bêtise de la part de Leimer et là, les conséquences sont énormes. Ça passe pas, Sabitzer. Quel rayonnement il a également, ça passe en revanche, ça peut aller très très vite. Il rentre dans le jeu, Paredes ne touche pas. Que c'était bien tenté tout cela. Leimer pour Poulsen, ça passe quoi? Oh, ça rase le poteau Marc, mais c'est magnifique hein, la manière avec laquelle là il joue cette transition. Superbe. Qu'est-ce qu'il a osé là? Bien joué Goulaxi. Mais là, celui-là, il est quand même... Il rigole en plus, hein. Il se marre. Magnifique. Oh là 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 là. Goulaxi, ça fait déjà 2 fois. Ben voilà, maintenant c'est terminé. Oh là 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 là, quelle erreur. Quelle erreur de Goulaxi. Écoutez, franchement, j'en ai déjà souvent parlé avec Benoît, qui le confirmera en studio, mais... Cette petite flingue, cette petite couille, appelez-la comme vous voulez, mais là, il l'a fait pratiquement à chaque fois, et surtout, surtout et souvent, dans des moments importants. Bien et sûr. Dieu sait si celui-ci l'est, mais c'est peut-être fini à la 42e. Qu'est-ce que c'est qu'il nous fait là? Il nous a fait une Ter Stegen mêlée à une Piatov. Allez, réduire l'écart avant la mi-temps, ce serait parfait pour le suspense avec un petit but là maintenant. Mais tout le monde est bien revenu. Il ne faut pas espérer un pénalty là. Et en revanche, la contre-attaque. Oh là là, si c'est lui qui a le ballon avec Kerrer, il passe. Ah non, c'est Mbappé, pardon. C'est Mbappé, forcément. Oh, elle est belle encore. C'est vraiment pas passé loin. Soleil, ils sont déchaînés. Di Maria qui joue côté gauche avec Bernat d'ailleurs qui a le ballon. Bernat, beau petit crochet, oui. Cela dit. Di Maria, elle est belle. Oui. Oh, ah, le contrôle. La Goulaxi s'en est bien sorti, mais si Bernat ne rate pas son contrôle, et là il glisse. Il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien du tout, il glisse. Il glisse et goal ça. Oui. Oh oui, c'est but. Est-ce que le VAR va intervenir? Parce que d'après... Franchement, dans le feu de l'action, on n'a pas le sentiment que Moukielé ait été accroché. Il a plus l'impression de glisser. Bah non, il glisse tout seul. Il glisse. Moi, j'ai l'impression qu'il tombe tout seul. Là, est-ce qu'il n'y a pas une position de hors-jeu de Bernat sur sa déviation sur le centre, Marc? Moi, je crois qu'il est devant le ballon. Ah, mais non, il y a Moukielé qui est derrière. Autant pour moi. Ouais. Autant pour moi. Oh, ben voilà, la nouvelle. Di Maria. Di Maria,
pensait qu'il allait pouvoir frapper. La frappe, là, voilà. Oups là, attention. Ça se rapproche, on laisse un peu aller. Oh, hein, oui. Un quart d'heure de la fin, un petit peu de dilettantisme, enfin, façon de parler. Ce résumé vous a été proposé par Expedia. Et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League.